Bienvenue dans la maison de notre papa. David dit, je suis dans la joie. David ben est dit John. Comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Papa, nous te disons merci. C'est pas ta grâce que nous sommes encore dans ta maison. Pour apprendre de toi. Pour écouter ta parole. Papa, je ne peux rien faire sans toi. Tu m'inclines. Comme les infinités, mes faiblesses. Utilise-moi comme bon te sens. Sois derrière ta parole. Et que quelqu'un soit touché. Et que quelqu'un soit délivré. Et de la main des satanistes. Au nom de Jésus-Christ. Je te loue, papa. Et je te dis merci. Pour encore de toutes choses. Pour la puissance de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bonne fête. À tout le Père. Amen. Amen. Bonne fête à tout le Père. Azamina et Okata. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je prie que Dieu le bénisse. Pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, je prie que Dieu leur donne leur côte. L'apôtre Paul dit, je veux que les jeunes se marient. Alléluia. Amen. 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 Soyez tous bénis. Happy Father's Day. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous plonger dans la parole de l'Éternel. Amen. C'est la parole qui est notre source de vie. Rien que la parole. Oui, revenons sur notre série d'enseignement. Rebâtissons le temple de Dieu. C'est le grand titre. Et il y a deux semaines, nous avions donné comme sous-titre. Nous bâtissons le temple de Dieu sur l'ancien fondement. Les enfants d'Israël, ils avaient péché contre Dieu. Et Dieu les avait envoyés en exil. Pour purger une peine de 70 ans. Dieu les avait promis. Dieu avait promis. Que après les 70 ans, il va les ramener dans leur pays. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il les a ramenés. Il les a restaurés. Et ils ont pris un engagement d'adorer Dieu selon la loi mosaïque. Et nous avions parlé de la restauration et du réveil. Et ils ont établi le temple de Dieu sur son ancien fondement. Après avoir établi le temple de Dieu, ils se sont préparés pendant 7 mois pour le début de la construction du temple. 7 mois. Fait acheminer les bois pour recueillir des dons. Tous les matériaux nécessaires pour la construction du temple de Dieu. Et les enfants d'Israël se sont donnés. Ils ont fait des dons volontaires. Ils ont même donné au-delà de leurs moyens. Parce qu'ils ont de l'amour pour leur Dieu. Ils voulaient que le temple
construction. De construire. Alléluia. Amen. Et le jour qu'ils ont posé les fondements du temple, c'était de la joie. C'était de l'allégresse. Ils chantaient. Ils célébraient et louaient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon. Car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Le maou souvent. Parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Alléluia. Quel joie cela sera. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les temples de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est en train de nous bâtir. Jésus-Christ, de nous construire. Paul dit, ne savez pas que vous êtes les temples de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous. Alléluia. Amen. Le sous-titre de ce grand titre aujourd'hui. Ce sous-titre, c'est combattant le réveil satanique. Combattant le réveil satanique. C'est un thème très sérieux, dynamique dans le Seigneur. Prêtez bien attention. Prenez note. Nous continuons toujours le livre de Ezra. Nous allons lire dans le chapitre 4. Du verset 4 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Amen. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adam, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui nous l'a ordonné. Comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Que la parole de Dieu soit bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, saisissez-moi très bien. Une fois que les fondements du temple sont posés, les ennemis de Juda et de Benjamin se sont réveillés pour s'opposer à la construction du temple de Dieu. Parce que l'ennemi a entendu des cris de joie. Parce que l'ennemi a entendu des chansons célébrant et louant notre Dieu. L'ennemi dans le Seigneur. L'ennemi n'aime pas que nous rassemblons pour chanter en l'honneur de notre Dieu. Il n'aime pas. Son dessein, c'est de nous faire souffrir. Et plus tu souffres, plus tu es content. Plus tu pleures, plus tu es dans la joie. C'est pour cette raison que nous n'allons pas lui donner cette occasion. L'ennemi, il s'est toujours opposé à Dieu. Il s'est toujours opposé à Dieu. Et nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans opposition. Parce que nous sommes dans deux mondes.
ténèbres et le monde de la lumière. Le camp de Satan, l'adversaire, le diable qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, au-dessus de ce qu'on appelle de tout ce qu'on adore. Si nous faut rappeler les mots de Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Et nous avons aussi le camp de Dieu. L'ennemi s'est toujours opposé à Dieu. Il a même cherché à prendre la place de Dieu pour détrôner détrôner Dieu et prend sa place. Dieu qui l'a créé. Et c'est ce que nous lisons dans Ésaïe 14. À partir du verset 12. Dieu voilà tombé du ciel. Asbrien, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. C'est Satan qui est en train de parler. Il s'est toujours opposé à Dieu. Il a même cherché à prendre la place de Dieu, à s'asseoir au-dessus de Dieu, sur le trône de Dieu. Satan a même réussi à provoquer une guerre dans le ciel. Quand nous lisons Apocalypse 12, la Bible nous dit que l'ange Michael, Michael et ses anges combattit le dragon. Et le dragon qui est le diable. Et le diable a son tour aux ses anges. Combattit contre l'ange Michael. Malheureusement pour lui, malheureusement pour le dragon et ses anges, ils ont été vaincus. Ils ont été chassés du ciel. Chassés du ciel sur la terre. Et la Bible dit, malheur à vous, habitants de la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Servez dans le Seigneur. En tant que chrétien, tu ne devais pas minimiser la puissance de Satan. Il a même réussi à provoquer une guerre dans le ciel. Mais c'est Dieu qui a toujours le dernier. Nous sommes en guerre. Bien aimé dans le Seigneur. Et le diable et ses anges, ils ont juré. Ils ont juré de maintenir cette campagne sur la terre. En s'opposant à l'œuvre de Dieu. En détruisant l'œuvre de Dieu. En s'opposant à tout ce qui se déclarerait pour Dieu. Et c'est ce que nous avions lu, nous sommes en train de voir. Dans Ezra, la lecture que nous voulons lire. Dès que les fondements du temps sont posés, le diable s'est réveillé.
réveillé. Satan a échitré. Pour s'opposer. Et qui est échitré? À la reconstruction du temple. N'a pas de roi avec Tchouchou. Ces ennemis de Judas et de Benjamin. Et il y a Judas avec le Benjamin de Befoutoma. Ce sont des peuples qui vivaient en Palestine. Moi, il y a du corps, il y a en Palestine, les mains. Après la chute du royaume du Nord. Et il y a, si à l'oupé, il y a les. Nora, guerre. Quand la Syrie avait conquéri. Et il y a Syrie, à Israël, à l'autre, l'empire assyrien. Et il Assyrie, avait déporté une partie de la population. Et du coup, à part et il a introduit. Et il a introduit. Dans cette population, les du commun, d'autres peuples, du commun, alléluia. Ils ont introduit dans cette population d'autres peuples. Le but de cette opération, c'est de provoquer des mariages mixtes. Amen, alléluia. Afin de prévenir tout mouvement nationaliste dans la terre conquise. Vous voyez combien de fois ils ont été rusés. C'est comme un territoire colonisé. Quand les autochtones seront toujours là, tout ils vont se révolter. Donc ils ont déporté la population. Et ils ont introduit d'autres populations, d'autres peuples, pour provoquer des mariages. Il ne peut pas avoir un soulèvement. Alléluia. L'ennemi est très malin. Futo est génial. L'ennemi. Futo. Il est très malin. Est génial. L'ennemi peut proposer des alliances compromettantes. Futo a tellement l'air. Ce blabla, alors blabla, il que on y mort et nous tout alors fokuto. Et c'est très dangereux. Et il est si à elle n'y a de faire l'œuvre de Dieu avec compromission. Benana wo, ma oubedoua, bakbre, ma dje, ma dje, ma bolme. Ces ennemis de Judas de Benjamin. Alors, et fouton, il connaît Benjamin, bakbre, Juda, toi, yoa. Ces ennemis de Benjamin. Ok, you fouton mao, il continue de nous Benjamin, il peut y avoir. Amen. Appelez gens du pays. Il y a un peu de temps. Sont les ancêtres de ces peuples mixtes que nous appelons les Samaritains dans le Nouveau Testament. Et vous savez qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs, les Juifs et les Samaritains. Donc dans leur intention, machiavélique, d'introduire le peuple de Dieu pour perturber les travaux, pour saboter les travaux de la construction du temple, ils sont venus leur proposer leur aide. Merci. L'ennemi est tellement malin. L'ennemi dans les alliés. Et il a utilisé trois stratégies différentes. Rien que pour perturber les travaux. Premièrement, ils ont proposé leur alliance. En leur offrant leur aide. Nous sommes venus. Pour vous aider. Vous pouvez compter sur nous. Nous aussi, nous invoquons le même Dieu. Or, leur adoration était de type syncrétique. C'est-à-dire, il adorait le bon Dieu, Israël. Mais au même moment, il adorait aussi
D'autres divinités. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisez deux rois. Deux rois, tu sais. Lisez tous les chapitres. Vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que quand la Syrie avait des une partie de la population. Pendant ce temps-là, il n'y a que l'Israël qui adorait les gens. Les autres peuples étaient des peuples païens. Ce sont des peuples païens. Alors quand la Syrie avait déporté une partie des enfants d'Israël, et introduit d'autres peuples. Ils ont commencé par adorer leur petite divinité. Et Dieu a envoyé un lion pour dévorer une partie de la population. Et le roi Assyrie a appris la nouvelle. Et il a demandé qu'on aille chercher un prêtre juif. Alléluia. Quand on l'amène, il n'a qu'à venir leur enseigner comment il faut adorer le Dieu du pays. C'est dans cela qu'ils ont commencé par adorer le Dieu d'Israël. Mais ils n'ont pas totalement abandonné leur petite divinité. Parce qu'il prenait Dieu, créateur des cieux de la terre. À partir du verset 2, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma femme. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième. De ceux qui me haïssent. Dieu a été très clair dans le monde. Tu ne veux pas avoir d'autres dieux devant moi. Tu ne veux pas avoir d'autres dieux devant moi. Oh, tu peux adorer encore des idoles. Quand cela se passe encore aujourd'hui dans cette église. Malheureusement, cette chose se passe encore dans cette. Alléluia. Amen. Dieu dit de ne pas faire d'objets taillés. Mais aujourd'hui, nous voyons encore des statues de Jésus dans certains sanctuaires. Nous voyons des statues de la Vierge Marie dans certaines églises encore. Marie avait peut-être.
des adorations accompagnées de l'encens, de la bougie, de la bougie, du rosaire. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a ordonné? Dieu n'a pas formellement interdit ces choses. Pourquoi nous voulons adorer Dieu selon notre volonté? Pourquoi nous ne voulons pas nous soumettre à la parole de Dieu? Pourquoi? Dieu veut que nous l'adorons de la manière dont lui il veut. Maintenant nous raisonnons. Nous voulons adorer Dieu selon nos propres volontés. Selon nos sentiments, nos jugements. Selon nos cultures et nos traditions. Or c'est ce que Dieu a formellement. Pourquoi le faisons-nous? Allons dans Deutéronome 4. Lisons le verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Pourquoi nous voulons le faire? Pourquoi nous voulons le faire? Pourquoi nous ne voulons pas nous soumettre à la parole de Dieu? L'apôtre Paul dit fuyez l'idolâtrie. L'apôtre Paul dit aux petits enfants, gardez-vous des idoles. L'apôtre Johannes est vieux. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs est de l'idolâtrie. Quand on le dit, certaines personnes disent de ne pas juger afin qu'on le juge. Quelqu'un qui est en train de se perdre, le ramener sur la bonne voie, est-ce le juge? Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5? Et nous, qu'apôtre Paul, le bonhomme, le collègue de Thomas, le bateau a été à Thomas. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ce qui dedans que vous avez à juger? Ce qui est dedans vous, ce qui se dit que vous avez à juger, ceux qui dorment, je les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on les dit, non, le Messie, certaines personnes disent que nous n'adorons pas la Vierge Marie. Nous n'adorons pas la statue de Jésus. Qu'est-ce que cette statue vient chercher dans vos sanctuaires? Qu'est-ce que cette statue-là vient chercher dans vos sanctuaires? Quand Dieu l'a formellement interdit. Dans le Seigneur. Pourquoi? Il dit qu'il est combien de fois? Je n'ai pas vu des coups mariés s'agenouiller devant cette statue de la Vierge Marie. Combien de fois je n'ai pas vu des fidèles se prosterner devant cette statue? Ce que Dieu a formellement interdit. Ce que tu as fait maintenant, il dit. Après ton maobé. Alléluia. Amen. Et quand tu les dis, et le dis, tu peux même montrer, leur montrer le verset dans la Bible. La thème est dit à son Bible, la toute la sophie. Il ne peut rien comprendre. Paul nous dit, Paul au blobé. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Corinthiens 4, est à venir à ta ne. Si notre évangile est encore voyé. Et même
Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne faut pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. À l'image de Dieu. Et il gagne Jésus Christ. Parce qu'ils ont été aveuglés. Et là, nous aveuglés par le Dieu de ces siècles. Alors nous coupons. Ils ne peuvent rien comprendre. Au lieu de Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le retour après ton l'ennemi, foutons-la. Il est tellement malin. Il est venu proposer aux enfants d'Israël. De les aider. Or, leur plan. C'est pour perturber les travaux. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Zorobabel et les chefs religieux ont opposé un refus catégorique. Ils ont dit non. Nous allons construire le temple de Dieu par nous-mêmes. Nous allons le faire nous-mêmes. Tout d'abord, ils n'ont pas la même croyance. Ils ne sont pas de la descendance d'Abraham. Et ils ont reçu l'ordre du roi et l'empereur lui-même. Pour bien mener les travaux. Quelqu'un peut voir dans ce refus catégorique du racisme ou de la discrimination. Peu importe les opinions. Peu importe les conceptions. Peu importe les antilles. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Ils se sont en tenue à la prescription de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce roi doit nous servir d'exemple. Paul dit ces choses sont écrites pour leur servir d'exemple. Ces choses sont écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce temps. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je le disais, nous ne pouvons jamais faire l'œuvre de Dieu sans opposition. Croyant que nous sommes, nous devons nous attendre à une opposition farouche de la part des incroyants, de la part des folles de lumière. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est cela que Paul nous dit dans 2 Timothée
2. Dans 2 Timothée 3, adorer Dieu pieusement. Ils seront persécutés. Et vous voyez déjà la persécution. Et ils ont posé le fondement du temps. Mais Jésus-Christ, dans Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus Christ a qui guette le corps de Christ aujourd'hui. Les chrétiens de cette fin des temps doivent prendre conscience de ceux qui prétendent être des chrétiens mais qui se cachent derrière le christianisme pour accomplir seulement leur propre volonté. Et Paul nous dit dans Philippiens 3, verset 18 à 19, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur sein sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Malheur à ceux-là. Paul le dit, malheur à ceux-là. Ceux qui se cachent derrière le christianisme. Ceux qui font de l'église du business. Pour en faire de l'argent, Paul dit malheur à cela. Que leur sein sera terrible. S'ils ne se répandent pas, leur sein sera terrible. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui. Nombreux sont ces pasteurs. Nombreux sont ces églises qui utilisent le nom de Christ. Mais derrière le rideau, voilà, c'est le satanisme. Satana, exactement. Quand ces ennemis de Judas et Benjamin, il se disait adorateur de Dieu. Et pourtant, il adorait encore d'autres divinités. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Derrière le rideau, c'est du satanisme à haute dose. Satan a il utilise deux esprits pour la sorcellerie, la magie, le spiritisme, le kundalini, l'astrologie. Le voodoo, le gri-gri, faisant des pratiques impies.
pour attirer des fidèles. Dans le seul but de satisfaire leur goût dans le monde. L'amour de l'argent, Dieu maman. Les apôtres nous ont mis en garde. Apostolo, l'apôtre Pierre nous a mis en garde. Allons dans 2 Pierre. On a mis ton clan. 2 Pierre 2. Petro va parler verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien-aimés dans le Seigneur. Les apôtres. Apostolo. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ils nous ont prévenus. De ce temps qui va arriver. C'est un des faux prophètes, des faux pasteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, des doctrines de démons. Rappelez-vous que le titre de mon message c'est combattons le revers satanique. Et c'est notre devoir de combattre ces choses. Alors vous croisez les pour dire que ces choses-là sont prédites, soit doivent arriver. Et ne rien faire. Et ne pas avertir le peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Paul dit dans Philippiens 1, verset 16. Paul le Philippiens a été établi. Il a été établi comme défenseur de l'évangile. Nous qui sommes là, toi et moi, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et nous aussi, nous sommes les défenseurs de l'évangile. Nous sommes les défenseurs de l'évangile. C'est à nous de dénoncer ces choses. On dit examiner ce qui est agréable à Dieu. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt dénoncez-les. Condamnez-les. Prêche la parole. Et faites en toute occasion favorable ou non. Reprends. Censure. C'est ton devoir. C'est mon devoir. Parce que ces gens, ce phénomène de faux prophètes, de faux Christ, de faux apôtres, prend de plus en plus de l'ampleur. Et j'ai discrédit sur le corps de Christ. C'est une stratégie de Satan. Nous déclarons au nom de personnes ne pas fréquenter la ville. Et beaucoup sont tombés dans leur piège. Beaucoup sont tombés dans leur piège. Jésus-Christ a averti ses disciples. Je vous envoie comme des brebis. Vous avez vérifié. Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, non. Et ce verset que je viens de donner. Matthieu 10, verset 16. Matthieu va parler de Jésus-Christ a averti cette histoire. Que je vous envoie. Et n'a tout clair, mais nous serons au même domaine.
comme des brebis, avec allergie au milieu, le haut domaine, des loups, soyez prudents, comme des serpents, avec Daoud, et simples, comme des colombes. Jésus-Christ a qualifié ces faux prophètes, Jésus-Christ, ces faux pasteurs de loups, qui ne parleront pas les fidèles. Et Paul nous dit dans Acte 20, à partir du verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses périssées pour entraîner avec eux des disciples. Essayez donc, vous vous souvenez, durant 3 semaines, je n'ai cessé ni un jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a prévenus. Les apôtres nous ont prévenus. Mais plusieurs sont encore dans les griffes de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes. Moi-même, j'ai été victime de la main de ces faux pasteurs qui se sont introduits dans des sectes pernicieuses, sacrifiant leurs propres frères, sacrifiant leurs propres frères pour avoir du système. Beaucoup de fidèles. J'ai jamais souffert moi-même. Ils ont la langue fourchue. Plein du venin d'aspic. Plein du mensonge. Ils savent comment tromper. Laver le cerveau. Pour que les plus de leurs mauvaises actions. Et j'ai été naïf. Comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, que vous tenez en éveil, pas des avertissements. Beaucoup ont ignoré les avertissements. Parce qu'ils ne veulent pas lire la parole pour être éveillés. Ils sont encore dans les griffes de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes. Beaucoup n'ont pas dénoncé des pasteurs avec des preuves à la pluie. À moment de face, pasteur, on a qui sont des satanistes. Qui sont des magistrats. Qui sont des pasteurs prostitués. Combien de fois des fidèles n'ont pas été envoyés dehors pour brûler du gazon. Avec Dieu, on me donne. Ben, non, 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 non
pour que cette figure supporte encore ce genre de pasteur. Et il y a un vivant d'apporteur. Ces pasteurs remplis de retour. Et il y a un pasteur, vraiment. Ces escrocs. Et il y a un fiafiment. L'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul est dans 2 Corinthiens. Les Corinthiens, tu t'en vas mal à 2 Corinthiens. 11 verset 19. Car vous supportez volontiers les insensés. Car vous supportez volontiers les insensés. Et là-bas, bien sûr, nous faisons. T'as beaucoup de temps. Vous qui êtes sage. Si quelqu'un vous a servi. Si quelqu'un vous dévore. Si quelqu'un s'empare de vous. Si quelqu'un est arrogant. Si quelqu'un vous frappe au visage. Vous le supportez. Vous le supportez. Honte à cela. Honte à cela. Ceux qui sont encore dans les griffes. De ce pasteur vampire. Ils ne veulent pas se libérer. Ils ont ignoré les avertissements. Zorobabel. Zorobabel. Et les chefs religieux ont catégoriquement refusé l'offre. Venant de ce peuple, ils ont refusé. Ils ne doivent pas avoir. Nous ne devons pas mélanger les choses saintes de Dieu avec les saletés du monde. On ne doit pas le faire. C'est pour cela qu'ils ont refusé. Ils n'ont pas la même croyance. Ils ne sont pas de la descendance d'Abraham. Ils ont opposé un refus catégorique. C'est un exemple pour l'église de Dieu. Ils ne doivent pas avoir de partenariat entre l'église et le monde. Très souvent, lorsque nous voulons bâtir une église ou acheter un building, nous distribuons des enveloppes. Il n'y a rien de mal à distribuer les enveloppes entre les frères chrétiens. Nous sommes un seul corps. Et nous devons nous entraider pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais nous ne devons pas avoir de partenariat entre l'église. Le mal. Et le monde. Nous devons distribuer les enveloppes. Donner des enveloppes aux païens. Solliciter les dettes des sociétés en place. Rien, aucun problème, aucune difficulté. Tu ne peux justifier l'alliance entre l'église. Et le monde. Les si on le fait, l'église se corrompt. Et comme un adulte spirituel. Et le bled, et le bon, mais cela sert d'exemple. Et si elle est née pour le corps de Christ aujourd'hui, non, ma oube, ha, l'opposition à l'église de Dieu est exogène comme endogène. Et elle va. Si ça vient de l'extérieur, le combat sera un peu facile. Mais si l'opposition vient de l'extérieur, c'est la plus dangereuse, la plus difficile à combattre. Parce que l'ennemi est au milieu de vous. Chantez en louant avec Dieu, avec vous. Partagez le même paix avec vous. Au même moment, c'est un agent de Satan. Au même moment, c'est un espion. L'espion qui m'aimait. Et leur œuvre, c'est de détruire. C'est de faire renvoyer les disciples. Les premiers de Jésus. Malheur à cela. Malheur à celui qui détruit le temple de Dieu. Ce sont ces mêmes personnes qui disent, oh, fais ceci.
blanc, nous produisons. Bien sûr, ça le tient au sujet du pasteur. Et oui, quand on met quoi, pasteur? Ce sont ces mêmes personnes. En même temps, qui dit des saletés au sujet de la femme du pasteur. Tu pour le pasteur, mais ce sont ces mêmes personnes. En même temps, qui prononce des injures. Moi, il y a blanc. En fait, les membres de l'église. Moi, je ne suis que de passage. Moi, je suis. Je viens que pour la secondaire. Bientôt je m'en irai. Vous allez à quoi, ma? Tu dois souvent. Je suis là pour semer du doute. Et si on t'a tapé dans le nez, on va de la pensée. Et tchaka. Puisque c'est la mission de la personnalité. La bena est si elle est bédassi. Et tu fais disperser les brumes. La bena ramevioa. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous méfier. Nous devons retenir notre langue pour ne pas détruire le corps de Christ. Si déjà par ta bouche, tu as renvoyé quelqu'un de cette église. Si par ta bouche, tu as renvoyé quelqu'un qui est d'une autre église. Tu as écouté le message. Le Seigneur y a le bien. La Bible dit, Bible, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est Christo. Nous n'allons pas laisser l'opportunité à l'ennemi de nous détruire. Non. Non. Allons dans Galate. Galate 2. Paul dit, est-ce cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Amen. 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 Nous n'allons pas céder. C'est notre devoir de combattre le satanisme dans le monde de Christ. De combattre le faux prophète. Et nous devons nous armer avec la parole de Dieu. Avec la salle de Dieu. Pour les écarter. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Prenons très au sérieux les avertissements. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ, le diable et bien, Satan se déguisera en ange de lumière. Mais à trois recuits les dollars, il qu'il y a quelques dollars. Vous êtes une bonne nombre de personnes. Et sur le faux, et même des élus. Lisez la parole. Comprenez les avertissements. Comprenez les avertissements. David. Dans Psaume 119, verset 130. Le Psaume 119, 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous éveille. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Et c'est l'objectif de Maranatha. Soutenir un éveil. Vous avertir afin que vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement et de prêt chaque jour et de prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre la portée de ce message afin que le peuple de Dieu soit guéri, afin que cela de l'enfantement. C'est ce que Christ va former en vous. Si Alice va sonner,
Jésus-Christ est noyé dans mes âmes. Nous avons de l'amour pour le corps de Christ. Mais Jésus-Christ dans mes âmes. Il le fera aussi pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Jésus-Christ. Amen.